Bien. Bien, bien, bien. Est-ce que tout le monde me voit? Est-ce que tout le monde m'entend? Parfait. Petite référence. Bon, vous m'entendez, les amis? J'espère que vous m'entendez. N'hésitez pas à me dire ça. On est parti pour du Mario Odyssey. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Bonne année, oui. Je vois des gens qui disent bonne année. C'est parfait. Tout va bien. Tout a l'air de fonctionner. Bon, bah c'est nickel. Bon, alors je sais pas si vous vous rappelez, mais je vous avais laissé sur un putain de suspense, n'empêche, la dernière fois sur Mario Odyssey. Puisqu'on s'était arrêté devant ce qui semblait être la dernière ascension pour aller voir Bowser. Enfin, je crois. Hein. Apparemment, on m'a dit, je parlais avec pas mal de potes qui m'ont dit que j'étais pas ultra loin de la fin. De l'histoire principale. De l'histoire principale, on se calme. Donc, il y a possibilité qu'on ait les crédits aujourd'hui, je pense, on verra. Merci Pingouin Murderer qui vient de s'abonner. Merci à toi. Et merci à toutes les personnes qui sont là. Vous êtes très nombreux, ça fait plaisir. Donc écoutez, je vous propose tout simplement qu'on avance et puis qu'on voit ensemble. C'est bon, j'ai des lags. Non, j'ai pas de lags. Et merci The Lost Le Gamer également. Merci beaucoup. J'avais l'impression d'avoir des lags. Mais pas des lags genre de co, hein, des lags serve. Enfin, serve. Du jeu, mais non, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Bon, du coup, alors, je crois qu'il faut qu'on monte. Hein. Je ne dis pas de conneries. Je crois qu'il faut qu'on monte. Vous entendez pas un bruit de fond, ça va? Enfin, c'est pas trop gênant. Je vais pousser un peu le micro. Voilà. Normalement, ça devrait aller, mais c'est à peu près comme d'habitude. Donc, normalement, ça devrait aller. Alors, on va prendre ce truc. Et voilà, on va se débarrasser. Il faut que je me refasse un petit peu la main, parce que, mine de rien, ça fait une petite... ça fait un petit 15 jours, là, que j'ai pas joué. À peu près. Mais ça va le faire, n'est-ce pas? Je pense. Alors, là-dessus, je pouvais pas m'accrocher, rester au-dessus que je pouvais. Non, c'est bon, pas de bruit de fond, tout est nickel. Oh là là, mais si tout est nickel. Écoutez, par contre, j'ai grave envie d'aller là-dessous, moi. M'excusez, mais... Genre, tu peux pas me vendre... Attends, non, mais tu peux pas me vendre un truc comme ça, là. Il faut que j'aille là-dessous. Je veux voir ce qu'il y a en dessous, moi. Genre, c'est mort, descends. Descends, descends, descends. Il y a forcément un truc, là. Avec les poissons. Et... Bah non. Bah si, je vois la lune, mais... Ça doit être de l'autre côté, on doit pouvoir y arriver par l'autre côté. Parce que les poissons, je peux rien en faire, on est d'accord, non? Je sais pas. Quelqu'un a de l'écho, il dit... Alors attendez, c'est peut-être moi qui ai oublié de couper un truc. Non, il n'y a pas d'écho là, et il n'y a pas d'écho là. Il n'y a pas de raison que tu aies de l'écho. Alors, et par contre, comme un con, du coup... Ok, c'est bon, je respire. Il n'y a pas de raison que vous ayez de l'écho, les amis. Est-ce que le piaf est toujours là? Non, évidemment, il est retourné là-bas. On va le chercher. Hop. Toujours dans cette ambiance... Ah merde. Cette ambiance Japon. Alors, moi, je trouve le niveau extrêmement réussi. Hein, ce niveau-là. Ah, mais attends, c'est par là. Voilà. Je trouve ce niveau extrêmement réussi avec un petit peu de recul et tout. Je le trouve assez ouf. Je sais pas. Je trouve l'ambiance et tout. Alors par contre, je trouve qu'il a un côté très. Comment dire? Ce serait peut-être le reproche que je lui ferais. Il a un côté Mario Galaxy ce niveau. C'est-à-dire que j'ai l'impression c'est tu vas de. Bah, un petit peu là quand même. Tu vas de... Ouais, faut vraiment que je monte... Ouais, tout là-haut. D'accord. Il a un côté, tu vas de plateforme en plateforme, tu... Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je trouve qu'il a un côté Mario Odyssey. Mario Galaxy. Mais ce qui n'est pas gênant, en soi, tant que c'en est qu'un. Mais bon, voilà. Oh, Yaya31lol qui vient de s'abonner également. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Alors... Ah, d'ailleurs, cette transformation est ouf, hein, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, maintenant qu'on commence à en avoir vu pas mal... Je trouve cette transformation totalement ouf. Je sais pas, je la trouve vraiment super intéressante. Ouh là là, alors attendez, je vais lire tout ça. Kerobros qui vient de s'abonner et qui en plus dit bonne année Sif, que tes projets réussissent et bonne année à tous de la part de l'équipe de modération Discord. Eh bien merci à toi Kerobros en tout cas. Ça fait très plaisir. Et Raiden910 qui s'abonne également. Décidément les amis, vous êtes très nombreux, ça fait très plaisir. Vous êtes très nombreux à vous abonner. Ah, le checkpoint. Ouh. Je kiffe le pic-pic. Ah, moi j'aime bien le pic-pic aussi, ouais. Je sais pas, je trouve qu'il a un... Je trouve le gameplay vachement intéressant de ce pic-pic. La modération Discord est présente, évidemment. Alors, on va venir prendre un petit peu tous les trucs ici. D'ailleurs, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, hein. Il y a le... Juste en dessous, à côté des subs, des dons, etc. Il y a également le lien du Discord. Si vous avez Discord, je poste les petites annonces et tout là-bas, notamment. Voilà, ça fait un petit boost. J'ai vu ça. Et Ben qui a fait un don de 1€ et qui dit first. Merci à toi Ben en tout cas. Oh. Alors, on touche à un truc du jeu
dont je parlais, je sais plus avec qui j'en parlais avec un pote, où je lui disais, alors moi j'aime bien Mario Odyssey, mais alors des fois, t'as les lunes, tu les chopes, mais tu sais même pas comment t'as fait pour les avoir en fait. Et là, c'est typiquement ça quoi. Des fois, t'as les trucs qui pop, tu dis, mais en fait, d'où? D'où tu l'as? D'où elle sort celle-là? Mais bon, c'est ça qui est cool. C'est vraiment ce côté aventure. Moi, c'est ça que j'adore dans ce Mario Odyssey, c'est vraiment ce côté, bah, Odyssey, tout simplement. Hop! Hop, on grimpe. Alors attention. Alors je vais essayer quand même, voilà. On est vers la fin a priori, mais on va pas rusher le truc non plus. Hein, voilà, on va continuer à avancer comme on fait d'habitude. Ni trop, ni pas assez, je pense. Alors dites-moi un petit peu dans le chat, comment se sont passées vos fêtes de fin d'année, que ce soit Noël ou Nouvel An. Est-ce que vous avez été gâtés? Est-ce que... Dites-moi tout. C'est tellement stylé ce qu'on fait là. Bon, il y a peut-être des lunes cachées ou ce genre de truc, hein, mais... Voilà, ou des fails de ce genre. Voilà, bon, ça devait arriver, pas grave. Elles sont stylées, les lunes rouges. Les lunes rouges, j'aime bien aussi, ouais. J'aime beaucoup les lunes rouges également. Donc on reprend juste de là, donc c'est bon, voilà. De toute façon, on a déjà récupéré tout le reste, donc on n'a plus qu'à monter. J'ai eu un PC gamer. La Switch... Alors oui, j'ai vu beaucoup de gens... J'ai vu beaucoup de gens qui ont eu la... Attendez, parce que peut-être que lui, il a une étoile, hein, en vrai. J'ai vu beaucoup de gens qui ont eu la Switch. Aïe. Tu donnes un coup de bec. Bah, c'est bon, comme ça, ça passe, non? Ah, ok, je pensais qu'il avait peut-être quelque chose pour moi, mais bon. La suite de Stefano Story Mode. Parce que quelqu'un m'a demandé Stefano Story Mode. Non, Stefano Story Mode, comme j'ai déjà dit un milliard de fois dans un milliard de vidéos, ça ne continue pas. Ça, je l'ai déjà dit. Par contre, Minecraft Story Mode, ce n'est pas arrêté. Putain, mais ça fait deux fois que je fais la connerie. Ce n'est pas arrêté. Je pense que ça viendra justement. De toute façon, tous les épisodes sont pas encore sortis, je crois. On pourra se les enchaîner bah, bientôt, je pense. Une fois qu'on aura fini Mario, probablement. Alors, j'ai vu les pièces, ne vous inquiétez pas, je prends. Voilà, je prends juste ça en fait. Oh les. Oh, il y a. Est-ce que ça cache. Non, ça cachait juste des pièces, ça. Hop! Faisons. Attends, genre, réellement, je peux pas me téléporter. Pourtant, je l'ai pris le checkpoint. Hop. Je vais aller trop vite en fait, mais. Bon, c'est quoi? On va le faire, voilà, comme ça. Attends, j'essaie de vous lire. Gros bug, on me dit. Non, zéro image perdue. Si, si, tous les épisodes de Minecraft Story Mode sont sortis. Même le cinquième? Ah non, il y en avait peut-être quatre, je sais plus. Ouais, enfin bref, Osef, ils sont. Oh, voilà, je veux dire, ça fait pas longtemps. Au pire, j'ai vu. Je crois que c'est Frigiel qui a fait une vidéo sur le dernier chapitre qui était sorti il y a pas longtemps. Donc, bref, voilà, ça fait pas longtemps. Donc, ça revient au même que ce que je voulais dire, quoi. L'idée, c'est que dans tous les cas, c'est pas très grave. Voilà, quand on pourra les faire, bah on aura tout, quoi. Il y avait pas des pièces là, il y a deux secondes? Non, c'est pas du tout ça que je voulais faire. Alors là, c'est un fail monumental. Alors. J'ai un peu du mal à jouer aussi, forcément, j'ai un peu du... Je me sens un peu, il faut un peu que je m'y remette. En fait, je voulais absolument ces pièces, bon, de toute façon, on a le checkpoint, on s'en fout. Est-ce qu'on essaie de se les faire, quand même, les pièces, là, qu'on a vues? On essaye. On va passer par là. C'est bon. Ça va le faire. Hop. Ok. Alors attendez. Oh là là. Déjà à mon avis on est arrivé au bout du truc là. Mais surtout, est-ce qu'il n'y a pas des petites lunes qui traînent dans le coin? Il n'y a vraiment pas de lunes qui traînent dans le coin. On dirait pas. Ah attends, attends. Erreur. Ouais, ça je m'en doutais, mais c'est pas grave. Erreur de débutant. On paraît que sur la paroi, il y en a. Déjà, là, il y a un truc. Mais non! Mais quoi? Mais comment? Comment tu peux m'offrir un truc aussi? Non, mais genre, il n'y a pas de lune, c'est pas possible, il y en a une qui est planquée. Comment est-ce que tu peux m'offrir une telle cachette
et ne pas me filer de lune. Comment c'est possible un truc pareil? Genre, réellement? Et c'est là en fait, hein, oui, parce que je m'étais planté. Ça doit être de l'autre côté, on va aller voir de l'autre côté. C'est chaud quoi. Comment c'est possible? Putain, la téléportation c'est tellement bien. Oui, j'ai mal à la gorge, oui, je sais que ça s'entend un peu, mais... Mon grand-père est décédé. Oh, je suis désolé, Gonzo. Mes condoléances, malheureusement. Putain. Ce sont malheureusement des choses qui arrivent. Mais tu verras que... Le reste de ta journée... Enfin, de ta journée, de ton année, plutôt. De ta journée, non. Ne pourra être que mieux. Je me concentre un peu en même temps. Ça c'est juste pour monter en fait. Mais ça me débloque pas un passage secret. Bon, c'est pour des... Ok, il y a des pièces si je veux. Ouais, bon. Si on allait... Ah, attends. Ah, attends. Yeah, oula. Alors attention, parce que ça, vous vous rappelez ce que ça fait. Hein. Ça fait aller très vite. Putain, j'ai perdu la main et on me fait démarrer par des trucs de malade. J'ai fait une connerie. J'ai sauté parce qu'il y avait le boot. Tu l'as vu? Tu l'as vu la fourberie? Mais si, c'est possible avec la carte Kiwi. Assassin's Creed Origins. Ah putain, faut refaire le truc à chaque fois. Assassin's Creed Origins, t'as bien aimé. Je l'ai pas terminé. En fait, je dois être... Mais d'ailleurs, je voulais vous le faire en vidéo et tout à un moment, hein, mais... J'ai beaucoup aimé Assassin's Creed Origins, hein, de ce que j'en ai fait, mais en fait... Alors ça va vous paraître stupide comme raison, mais vraiment stupide. J'aimerais bien arriver à jouer un minimum en fait, tu vois. Arrêtez de faire n'importe quoi. Bah, ça va vous paraître très stupide comme raison, mais en fait, je le trouve trop long et trop grand en fait. C'est-à-dire que le point fort de ce jeu est pour moi son point faible. C'est-à-dire qu'en fait, vu que je suis pas autant rentré dedans qu'un Breath of the Wild par exemple, enfin un jeu très long et très grand, et bien en fait, ça, au bout d'un moment, ça m'a un peu, pas emmerdé, mais lassé d'avoir autant d'exp... J'ai sauté! Ça m'a un peu lassé d'avoir autant d'explos et tout, tu vois. Enfin, je saurais pas comment vous dire. Merci Galaxy Yo-Yo. Je saurais pas comment vous le dire, mais ça m'a... Ouais, ça m'a... Au bout d'un moment, j'étais en mode... Il y a trop de trucs, tu vois. Genre, ça m'a un peu... Et ouais, voilà. Bon, tant pis pour les trucs qu'il y avait en bas. Hein. En fait, les pièces violettes. On fait un dernier essai sur ça, et sinon on va au bout. Hop là. Parce que là, bon... Tu connais Paladin? Bah oui, je vous ai même fait une vidéo dessus. Il y a longtemps. Mais je ne ferai pas de paladin. Hein. Non, mais c'est totalement subjectif hein, pour Assassin. Mais d'accord, oui, bien sûr, je suis fan absolu de Zelda, bidule, donc c'est normal. Mais voilà quoi. Donc là, voilà, ne te fais pas avoir par ça. Comment j'ai fait ça? Comment j'ai fait ça? Ben qui fait un don de 1€, salut Sif, je te suis depuis ton premier épisode sur Zelda TP, 1er janvier 2013, ça date un peu, hâte de te voir sur un nouveau Zelda avec ton nouveau style de vidéo, bon live, merci à toi, vraiment, merci beaucoup. Et nous avons plein de gens, bonsoir à Devovo qui est là. Attends, te foire pas. Ok, ça passe. Alors... Kill me, bordel! Mais en fait, j'ai voulu sortir. Je vous explique pourquoi je suis parti sur le côté. J'aurais dû juste continuer à foncer. J'ai voulu, j'ai voulu sortir de la plante en fait. Et du coup, ça m'a fait faire n'importe quoi. Bon, c'est pas grave. Eh, ça contrebalance avec le truc bien que j'ai fait avant. C'est pas grave. Sauf pour une petite lune là, ça, on va aller la chercher. Et après, de toute façon, je crois qu'après, on est au bout hein, du niveau. Ça y ressemble, hein. La grosse tête de Bowser. Par contre, je suis pas certain que ce soit le dernier niveau. Parce que, sans rentrer dans les détails pour ceux qui connaissent pas, mais j'ai. C'est même pas que j'ai été spoil, c'est que j'ai tellement de gens autour de moi qui y jouent et qui en parlent, donc tu sais, je suis forcément obligé d'entendre des trucs sur ce jeu en fait. Et vu que je suis un peu à la bourre par rapport aux autres, que je sais certains trucs qui se passent après, donc je crois pas que ce soit le dernier niveau. Voilà. Donc je bouge pas mon joystick. Hein. Ah. Ah, mais c'est pour ça que ça m'a arrêté. Je bouge pas mon joystick. Voilà, c'est bon. Ok. Et du coup, on redescend. Voilà. Allez, on y va. Cette fois, on est good. Est-ce que j'ai un piaf pour remonter?
J'ai pas de pierre pour remonter, mais du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre la plante. Et cette fois, on va sauter avant. C'est le plus simple. Alors, il y aurait bien les petites pieds-pièces là qu'on a vues. Non, mais au pire, hein, parce que je me fais chier. Attends. Non. J'ai voulu tenter un truc qui n'est pas passé. Bon, bah, tant pis, c'est pas grave. Je voulais tenter en fait de choper les pièces violettes qu'il y avait, mais j'étais beaucoup trop lent. On va se re-téléporter de toute façon. De toute façon, ça va me remettre tout en haut, donc c'est bon. Je crois. Ça me remet où? Tout en haut au niveau de la plante. On va me remettre au niveau de la plante. Ouais, mais c'est pas grave, du coup. Hop là, téléportation. Et après toutes ces petites conneries. Tu es de quelle année déjà? Je suis de 92. Salut Sif, t'as essayé Getting Over It? Ouais, vite fait. En fait, j'aime pas. C'est-à-dire, enfin, comment dire? Pas j'aime pas parce que j'y arrive pas, parce que évidemment que je n'y arrive pas, comme les trois quarts des gens. Mais genre, je n'aime pas en fait. Ah, on arrive. Genre, je sais pas, j'aime pas le concept du jeu. Enfin, ça me. C'est même pas que ça me. Tu sais. Comment dire? Pour finir vite fait. En gros, t'as des gens, genre, ils vont faire Getting Over It, ils vont machin, ils vont perdre, ça va les frustrer, ils vont être en mode ah putain, je vais aller encore plus loin. Et genre, moi, je vais jouer, je vais essayer, et en fait, genre, je vais perdre et. T'as des jeux où je vais vouloir tryhard le truc pour aller plus loin, et là juste je suis en mode. Fais chier. Enfin, genre, ça m'emmerde en fait. Je comprends l'engouement autour, mais c'est pas pour moi. Alors. Mario! Tu arrives trop tard. Nous allons nous marier sur la lune. Voilà. Bon. Donc ça, j'étais au courant qu'il y avait une histoire de lune. Putain, mais Mario se fait tellement victimiser par Bowser dans ce jeu. C'est assez violent. Hein. What the fuck? Oh non, encore eux! What? Attends, c'est quoi ça? Ah d'accord. Donc là, c'est les quatre ensemble. Hmm. C'est les quatre ensemble, ok. Bon, on va se les faire, y a pas de souci. Alors, comment ça marche? Ok, d'accord. J'ai compris comment ça marche. Pas du tout. Ah si! Voilà, ok. J'ai besoin de ça, il faut que je leur renvoie des bombes, quoi. Ok. Ok. Ça a pas l'air bien compliqué, ce boss-là. Il paraît impressionnant, mais... Non, par contre, faut savoir viser. Il paraît impressionnant, mais il m'a pas l'air... Tiens, regarde. Attends, peut-être que... Ok, ça marche. Vu que c'était pas la même structure que d'habitude... J'avais un doute. Ok. Dans le mille, ok. Déjà un en moins. Bon, il est pas... Il est pas exceptionnel, ce boss, mais c'est pas grave. De toute façon, pour le moment, les boss, à part 2-3, c'est vrai que on n'a pas eu des boss incroyables. Je viens d'avoir un freeze, est-ce normal? Je n'aurais pas dû avoir de freeze, puisqu'il y a eu zéro problème. Hop. Voilà. Le gros défaut du jeu, pour moi, ce sont les boss qui sont beaucoup trop faciles. Alors on en parlera à la fin du jeu, mais pour moi le gros défaut du jeu il est ailleurs. On peut déjà en parler, et alors j'ai déjà tout mon argumentaire hein, pour ça, donc y a pas de souci. C'est que pour moi ce jeu est beaucoup trop court. Alors je sais que le vrai jeu, genre j'en suis conscient à 10 milliards de pourcents, hein, genre que le vrai jeu commence après la fin du jeu. Pourquoi je le sais? Parce que j'ai plein de potes qui ont joué, parce que j'ai même sur ma propre Switch. J'ai un autre profil, c'est pas moi qui joue, qui a fini le jeu, donc je sais très... Aïe aïe aïe, je sais très bien tout ce qu'il y a à peu près, sans mettre trop spoil, je sais que le vrai jeu commence après. Mais ce que je veux dire, c'est que je trouve malgré tout cela frustrant de se dire, bah, le vrai jeu commence après la fin du jeu, c'est une belle surprise. Mais ce que je veux dire, c'est que par rapport à un Galaxy ou un 64, tu vois, moi j'ai comparé, par exemple, j'ai comparé le nombre d'épisodes que j'avais fait sur Galaxy... et Sunshine, mes deux Galaxy et Sunshine par rapport au let's play de Brioche sur Odyssey, qui en plus il tryhard bien le jeu quoi, enfin il le fait vraiment à fond. Et bah avant la fin du jeu,
le fuck. Ok. Avant la fin du jeu, enfin à la fin du jeu au générique quoi, à générique égal entre guillemets, j'avais beaucoup plus d'épisodes. C'est-à-dire que vraiment je trouve le jeu avant la fin de l'histoire principale, je le trouve assez court en fait en termes de comment dire de niveau et tout. Ils sont tous géniaux les niveaux, mais je me dis tiens, j'ai l'impression que c'est un poil court. Mais voilà, enfin. Mais après, de toute façon, après la fin du jeu, je sais que t'as énormément de choses. C'est pas vraiment un problème. Mais c'est juste une petite appréciation perso de me dire ah ouais, j'aurais bien aimé un peu plus sur l'histoire principale, tu vois. Mais bon. C'est, pour moi, en fait, il a un peu les qualités et les défauts de Zelda. C'est-à-dire que, Zelda, on sera tous d'accord pour dire que l'histoire, bien qu'elle est géniale, c'est pas le point fort du jeu. Le point fort du jeu, il est ailleurs. C'est dans le gameplay, c'est dans l'explo, c'est dans machin. Odyssey, pour moi, c'est un peu pareil. Mais bon, bref, pourquoi pas un Mario Odyssey 2, hein. Ils ont bien fait un Galaxy 2. Moi, je pense que c'est, le concept est tout à fait encore exploitable. Aïe. Voilà, c'est bon. C'est bon, là, on a fini quand même. Par contre, pour le coup, le concept de ce boss-là est très très bon. On a fini, là? Yes, c'est bon, on a fini. Le concept de ce boss-là est excellent, je trouve. Tu compares Zelda avec Mario? Bah oui, tu peux, sur certains aspects, tu peux le comparer. Tout le Breath of the Wild, toute la beauté de ce jeu, c'est dans l'exploration, dans le sentiment de liberté, dans tout le nouveau gameplay qui a été apporté. Et le point fort de Mario Odyssey, c'est son gameplay, c'est son nouveau gameplay qui est ultra rafraîchissant. Donc pour moi ça c'est comparable. C'est pas forcément dans l'histoire, ce qui est la même chose pour Breath of the Wild. Breath of the Wild, bien que l'histoire soit très bonne, comme Odyssey je trouve elle est très bonne aussi, c'est pas le truc que tu retiens absolument du jeu, je trouve. Donc pour moi ça se compare, sur certains aspects évidemment, pas tous. Grabuge au château de Bowser. Bon, du coup on n'a pas fini, il y a le niveau de la lune. Et après on aura fini je pense. Est-ce que tu vas faire Sonic Force? Non, s'il vous plaît. Je ne veux pas, ne me forcez pas à insulter Sonic, s'il vous plaît. Je l'adore, mais ne me forcez pas à insulter Sonic. Cette crapule de Bowser a mis les voiles vers la lune alors qu'on était à un doigt de lui mettre la main au collet. Eh ben allons-y. Mais rien n'est perdu, on peut le rattraper avec l'Odyssée. Lance-moi sur le globe. Alors, hop là. Voilà, pour ceux qui voulaient savoir combien j'ai de lune, je dois en avoir une 150aine, ce qui est très peu, je le sais. Parce qu'on a vraiment fait, quand on... Pour ceux à qui ce serait le premier live, on a vraiment fait en sorte de surtout découvrir en fait les nouveaux mondes. On les a pas perfects pour le moment. Merci Mathieu Cambé, merci à toi pour le sub. Tu as vu le drama sur Logan Paul, t'en penses quoi? Pas grand chose honnêtement. J'étais assez d'accord avec le tweet d'Antox qui disait oui bon, il a fait une connerie, oui c'est pas bien mais... Allez, je sais pas, nouvelle année, positivons les gars, genre on est pas obligé de partir tout de suite sur un drama, tu vois, genre... Je défends pas du tout Logan Paul, ce qu'il a fait est irrespectueux possible, mais... Bowser nous échappera pas, on le poursuivra jusqu'au pays de la lune. Allons-y, pour les beaux yeux de nos demoiselles. Je dis juste, tout le monde qui s'empare du truc et tout comme à chaque fois, bon... Voilà. C'est dommage, mais bon. Pour ça, je préfère pas trop m'étendre dessus, hein. C'est son problème, entre guillemets, quoi. Bon là j'avoue que ça fait vraiment dernier niveau là pour le coup. Avec la belle tenue et tout. Du coup il m'a mis cette tenue là par défaut. Ah pour ceux qui me demandent c'est quoi le drama, je l'expliquerai pas. Je cherchais pas, j'ai pas envie de m'étaler là-dessus. Ça me concerne pas. Pire chercher si vous voulez, mais franchement ça vaut pas la peine je trouve. Elle est classe cette tenue. Je la trouve très très classe. Oui, il y aura une pause, vous inquiétez pas. Enfin, je sais pas en fait, ça va dépendre si on finit là dans 10 minutes, mais je pense pas qu'on finisse dans 10 minutes. Waouh! Tu vois, artistiquement, ça j'aime. Hein. Je trouve très très beau ce niveau. Lune de fiel au mariage de Bowser. Et là, j'imagine que c'est qu'une infime partie du niveau, mais... Ah ouais, donc on est peut-être déjà au bout en fait, peut-être que... Je sais pas, on va voir. Tu es beau comme un prince, comme ça. Nos demoiselles sont là-bas, aucun doute, dépêchons-nous. Eh bien, très bien. Alors, on est tout léger.
Ah, nice. Ça, c'est cool. Bon, en tout cas, on n'a pas besoin de lune. C'est grave cool, cette histoire. Ah ouais, génial. Oh, oh, oh. Attention. C'est génial. Ah ouais, ah non, mais les gars, j'adore ce niveau. Regarde, regarde, regarde. Comme ce niveau est cool. Et là, tu fais... Ah ouais, non, mais je valide. Je valide à 2 000 000 % ce niveau sur la lune. Franchement, génial. C'est trop, trop bien. Du coup, on va quand même se faire un petit peu. On va quand même l'explorer, hein, ce niveau. Vous inquiétez pas. Je sais même pas par où faut passer, en fait, par là-bas. J'ai l'impression. Ouais, ça m'a l'air d'être le plus logique. Je vais peut-être louper des trucs, hein, encore une fois, mais c'est pas grave. Tu adores ce niveau, mais tu ne connais pas encore la suite. Oui, mais bon. On m'a déjà fait le coup sur Galaxy. Hein. Sur Galaxy, on me disait, ah, tu vas voir le niveau des plateformes, là, machin, il est horrible. Bon, finger in the nose. Non, mais moi, enfin, je l'ai déjà dit dans certains... Enfin, ça dépend. Il y a des moments où, effectivement, c'est dur et je vais galérer. Mais moi, j'ai un peu le chic, j'ai remarqué souvent, pour que les trucs que les abonnés, ils disent, ah, tu vas voir, ça, c'est horrible. Je les passe. Par contre, les trucs ultra faciles, je galère. Ça m'arrive souvent, ça. Putain, par contre, je fais de la merde. Tu vois, genre, ça je galère comme une merde pour ça. Mais ça n'empêche pas. Tu peux adorer un niveau même s'il est dur, en fait. Je vois pas où est le problème. Tu peux trouver qu'artistiquement un niveau est dingue. Sans pour autant que ce soit simple. Est-ce que je peux le prendre, ce truc? Non, je peux pas le... Enfin, je dois pouvoir le tuer en sautant dessus. Attendez, on va essayer. Quitte à mourir, on va essayer. On est au début du niveau. On est là pour tester des trucs. Ouais. D'accord, c'est bien ce que je pensais, hein. Ok. Ouh, regarde-moi ça, le petit niveau en 2D là. Il y a peut-être des choses ici, je sais pas. Bon, je sais pas. Il doit y avoir certainement une étoile planquée quelque part. Oh! Waouh, la vache! Alors pour le choper, lui. Est-ce que je peux lui mettre le grappin dessus comme ça? Je peux pas utiliser mon. Je peux pas utiliser Capi, on est d'accord. Alors attends. Ouais. En fait, il faut. Voilà, là. C'est bon, je l'ai. C'est bon. Étoile, s'il te plaît. Merci. Enfin, lune. Mon niveau préféré pour le moment. Je sais pas. Ah, je sais pas. Hein. C'est vrai. Il y en a beaucoup que j'aime bien. J'ai beaucoup aimé celui de la forêt. Mais c'est pas le seul. Je sais pas. Honnêtement, je saurais pas vous dire en fait lequel est mon préféré. Celui-là, je l'aime beaucoup aussi. Il y a bien un endroit par lequel il faut passer, non? Comment je vais là-bas, sinon? Ah, mais oui, d'accord, c'est depuis le début que je vais là-bas. Ok, ok, ok. Je peux pas me re-TP au début? Si. Donc, ouais. Je dirais peut-être le niveau, ouais. Celui que je vous disais, là, de la forêt, peut-être, je sais pas. J'aime beaucoup celui de la neige. Moi, je les aime bien, celui de la plage. Non, en vrai, je sais pas vraiment si j'ai un préféré. Ma transformation préférée, pour le moment, même si elle est dure à contrôler, c'est le pic-pic. J'aime beaucoup le pic-pic. Putain, même en 2D. Même en 2D, quoi. Le pic-pic, j'aime bien, parce que je trouve le concept dingue, en fait. Et limite, il est pas assez exploité, le concept. Mais peut-être que ça se réexploite derrière, évidemment, mais... Est-ce que tu feras le DLC de Horizon Zero Dawn? No idea. Comment je passe là-haut? Wesh. Il y a des pièces, il y a juste des pièces. Il y a une boutique ici, j'ai pas vu. Non, il n'y a pas l'air d'y avoir de boutique. Bon, merde. C'est pas grave, on s'en va. Pour 3 pièces. Hop là. Ta-dum, ta-dum. La question en fait que je me pose, c'est est-ce qu'une fois dans la cathédrale, le boss se lance? Ou pas? Parce que s'il se lance, bah go direct. S'il se lance pas, peut-être qu'on peut faire une pause, tu vois, devant, et puis après on part pour un petit truc, quoi. Enfin, ça ferait 2 types de rediff différentes, on va dire, faut voir. Mais me dites pas, je vais y réfléchir. Bon, au pire, allez hop là, on se fait un dernier qui est bien long, bien fat. On se refera des streams demain, au pire. On verra. On verra. Alors. Ah, la,
d'après vous. Ah putain, c'était chaud. Tu as deux lunes dans le niveau en 2D. Pas grave. Tant pis, je savais pas comment monter en fait. Question que je me pose. On dirait les cloches de Majora's Mask. J'avoue. Voilà, il y a clairement un truc en bas, non? Non, même pas. Hop. Alors, la question, est-ce qu'on se le retente? Allez, on se le retente un coup. Et si ça marche pas, parce qu'en plus il y a une lune, alors si ça marche pas. Ok. Je l'ai senti, je l'ai tellement senti. Il aurait fallu que je passe par l'autre qui était un poil plus. Ouais. En fait, j'ai trop envie d'aller. Les amis m'en voulaient pas, mais j'ai trop envie d'aller à la cathédrale. Ça m'attire trop en fait. Donc on va y aller. On va y aller. Putain, qu'est-ce qu'on aura fait durant ce live? Enfin, des petits trucs bateaux quoi. Tu sens que c'est la reprise. Aussi, ce gameplay là est un peu. C'est pas mal le concept, mais justement, effectivement, ça donne de la difficulté. On va avancer un peu parce qu'en fait, on n'y est pas totalement. Hein. On n'y est pas totalement. Il y a d'autres trucs là-bas. Là, je sais bien qu'il y a des. Ah bah voilà, attendez, voilà. Au moins prenons ce truc. Déjà ça va nous aider. Parce que bon. Et du coup là on va aller chercher le coffre comme ça. Yes. Magnifique. Hop là. Voilà. La rediff sortira demain normalement. Alors du coup. Hop. Voilà, parfait. On va aller voir ce qu'il y a là-haut quand même. Le titre du live non rafraîchi, hein, c'est pas Zelda, je t'assure. Le titre du live, il y a bien écrit que c'est Mario. Je l'ai modifié juste avant le live, justement, donc il n'y a pas de raison. Oh putain, mais comment je fais? Attendez, je vais passer par. Oh, ah, attendez. Vas-y, viens là. Relou. Tu pensais quoi de l'épisode de Noël de Doctor Who? J'adore. Bah, Capaldi Forever, quoi. Je peux pas lui renvoyer ça au pire. Parce que, en fait, là, de là, je peux pas sauter sur son crâne. Non, je suis pas assez proche. Il faut que j'aille. Voilà, c'est bon. C'est bon. Ta-da-da. 1992, Sif, ton signe astrologique chinois est le singe. Ah mais c'est pour ça que tu m'as demandé ma date de naissance tout à l'heure, sinon je te l'aurais dit, hein. Oui, je sais que mon signe astrologique c'est le singe. Je le sais, t'inquiète. T'aurais dû me demander directement ce que c'était mon signe chinois. Je suis lion et ouais, singe... dans les signes chinois. Hop là. Le rocher, c'est après quête principale. Quel rocher? Ah, le rocher. Oui, non, mais le rocher, je m'en fous. C'était juste, genre, est-ce que je pouvais monter sur le rocher? Je sais, les rochers comme ça, ça fait un moment qu'on en voit. La question, c'était, est-ce que je peux monter sur les rochers pour ensuite, tu vois? Faut que je descende, là, dans tous les cas? J'ai l'impression que oui, hein. Quoique, non, pas forcément, en fait. Attends, il y a deux types de trucs, là. Pourquoi on me parle de deux trucs différents? On va passer par là, hein. Ça a l'air d'amener au même endroit. Hop. On va prendre le checkpoint. Voilà. Qu'est-ce que tu dis, toi? Ce trou ne me dit rien qui vaille. Oui. Alors, attends. Hop. Vite. Ok. Hop là. Voilà. Perfecto. Bon, on y est presque, hein. On y est presque. Talon. Qui est taureau en signe astrologique? Ma mère, je crois. Oui, ma mère est taureau. Waouh. C'était pas prévu, ça. Changement de plan. Changement d'ambiance totale. Grotte lunaire. C'est grave classe. Oh, on se peut ressortir. Est-ce que j'ai encore... Ah, et en plus, je n'ai plus la gravité ici. Très bien. La pesanteur est plus forte. Stylé. J'aime. Beaucoup. Et la musique est classe. Allez, go, cher ami.
go, cher ami. Bon, il y a peut-être des trucs sur les côtés que je loupe, hein, vous m'excuserez, mais là, la prio, elle est déjà d'arriver de l'autre côté. Ok. Il y a sûrement des trucs que je loupe par là et tout. Mais... Hop là, yo. Yo, 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 yo. Hello. Hello, my friend. Attendez, je veux juste voir. Alinan qui fait un don de 5€, bonne année, et continue de faire ce qui te plaît, merci à toi. Merci beaucoup. On va prendre lui, maintenant qu'on est là, voilà. Okay. Et déjà, tu vas pouvoir péter ça. Tu vas pouvoir péter ça là-bas. Oh, wow. Putain, mais c'est ultra sensible. Ça va. Non, pas toi, je voulais. Je veux... Ah, il est où? Parce que déjà, il y a une clé, là. La clé, je l'ai loupée, je sais pas où elle est. Je l'ai loupée, très clairement, donc on va aller la chercher. Non! Je veux ça. Donne-le-moi! C'est bon. Hop, déjà, on va prendre ça. Déplace la statue à l'entrée avec ton chapeau. À l'entrée? Quelle statue? Ah! Ah ouais, ouais. C'est mort! Si c'était ça, l'histoire... un peu mort, hein. Je peux pas remonter par là. Ouais bah tant pis. tant pis les gens, une prochaine fois. Hein. On va pas revenir au tout début. La clé est dans le trou dans la lave. Ah donc là plutôt, ok, rien à voir avec la statue, parce qu'effectivement ce trou je l'avais vu. Exact. Mais comment je remonte ensuite? Telle est la question. Comment je remonte? Je remonte. C'est juste que j'ai jusqu'à une certaine hauteur, mais je remonte. Ouais! Nice! C'est bon! On a rien loupé du coup. Hop, on va sortir de là. Et on est reparti. On se casse. C'est pas fini. Non, c'est trop simple. Ok, nice. C'est bien, c'est grand. Alors, on active cette plateforme. Ah, putain. Il faut pas qu'il m'enlève plus que ce que j'ai envie. Pas qu'il m'enlève plus que ce que j'ai. C'est bon. Oup, oup, oup. Ok. Tant pis pour ce truc. Ok. Ok. Alors. Donc là, on va plutôt prendre E. Yo! Viens donc là. Alors comment ça marchait déjà? C'était Y pour s'étirer, ouais. Parce que je me rappelle que c'était un délire. Genre. Nyeh. Ok, ensuite. Nyeh. Il y a sûrement des pièces que je loupe, hein. Pas grave. Oula. Bah non. Eh bah non, c'est bon, c'est pas, ça passe. Ça passe, ça passe, ça passe. Alors là, comment est-ce que je pète ça? Ah putain! Je me suis fait avoir comme un... Je me suis fait avoir tellement comme un bleu pour le coup. Voilà, yo. C'est pas grave, tant pis pour les six points de vie. Ça aurait pu m'être utile, ceci dit, mais... Trop pété. Attends, bon, j'ai loupé une lune. Je l'ai vu, je crois, mais tant pis. Je peux pas... Voilà. Viens donc là. Et merde. J'ai été trop lent. Je l'ai senti. Et j'avoue que les musiques sont très stylées. Vous êtes plus de... Waouh, vous êtes beaucoup. Plaisir. Merci. Après, c'est les vacances, tout ça, mais bon. Je reprends d'où, là? Ok, je reprends avec combien de PV? Non, je reprends avec 3, évidemment, 3 PV, ce serait trop beau sinon. Bon, j'ai loupé une lune, du coup je vais la prendre cette fois. Enfin, je crois que j'ai loupé une lune. En fait, il y avait une bilballe comme ça qui brillait. Donc j'ai pensé, peut-être innocemment, c'est elle là. Non, c'était une connerie, c'était juste pour ça. C'était une connerie. C'était les petites particules de sa sortie en fait.
Bon, du coup, alors ça. Je me foire pas. De toute façon, j'ai déjà pris les trucs cette fois, donc. Rip. Il a failli mourir. Il y a pas un truc planqué là? Non, il y a rien. Et hey, mais c'est grand, c'est très très grand, c'est cool. Bonjour. Fonce là-dessus. Il y a bien un truc qui brille là, non? Il y a vraiment rien qui brille, tu vas bien. Mec. Attends. Yes. C'est cool ça à contrôler aussi. Ouais, oui, d'accord, je comprends pourquoi on me le fait. Quand tu vois ce qui m'attend. Ok, il y avait de la vie. Et donc ensuite, faut juste que j'aille tout droit, quoi. En gros. Vous êtes prêts? Go! Oh là là, la beauté. Ah, il faut que je le prenne encore. Tu peux sauter? Mais tu peux pas sauter, garçon. Ah non, alors ça veut dire que c'est moi qui devrais devoir sauter. Ah non, il y a lui là-bas. Ok. Go. Après, alors c'est vrai que c'est un truc qu'on pourrait... On en avait déjà parlé, mais c'est un truc qu'on pourrait... Ça pue ce truc. C'est un truc qu'on pourrait... voilà, qu'on pourrait reprocher au jeu, c'est que... Bon, c'est pas grave, mais c'est vrai qu'il est entre guillemets... Enfin, il est facile. Ça, il faut bien avouer qu'il est facile. Ok. Alors, est-ce qu'on a fini? Je pense que cette fois, on est bon, ouais. Et... Oh, la grosse dame! Bonjour. Avec ton chou en or. Tadam! Ah, tu te souviens de moi, la délicate Madame Brood que tu as traitée avec si peu d'égard au pays des chutes. Attends de voir la fin du jeu et on en parlera. Les gars, je connais la fin du jeu, encore une fois, et je vous dis ça en connaissance de cause, en ayant parlé à plein de gens. J'ai même entendu Benzaï le dire l'autre jour dans une vidéo où il disait Mario Odyssey, son problème c'est qu'il est trop facile, de manière globale. Je dis pas que ce jeu est ultra simple, il y a des moments qui seront durs, mais par exemple par rapport à un Galaxy, je suis désolé, Galaxy est beaucoup plus dur de manière globale. Après, le jeu est fait comme ça, c'est pas grave. Mais moi j'aurais bien aimé un jeu un peu plus costaud quand même. Là je trouve que de manière globale on s'est quand même baladé jusqu'à la fin du jeu. Alors que après la fin du jeu il y a des challenges compliqués machin et tout, ok. Mais de manière globale on s'est quand même baladé quoi. Tu vois, par rapport à certains jeux qui... Certains Mario qui étaient quand même plus compliqués, je trouve, c'est mon avis perso, voilà. Après je sais ce qui arrive après la fin du jeu et tout. De manière... je sais pas mal de trucs. J'ai vu certaines vidéos, j'ai vu Brice, j'en ai parlé, j'ai machin. Je sais. Mais même, ça m'empêche pas de penser qu'il est quand même plus facile que les autres. Tu t'es montré tout aussi discourtois avec mes chers petits Broodles d'ailleurs, on va t'apprendre la politesse. Et leur tourne, dis-moi, mon petit champinet est plus affamé que jamais, il attend son déjeuner. Alors. On est parti donc. En gros, c'est la même chose qu'avant. Bien joué, tu commences très bien toi. Mais putain, mais comment je l'enlève? C'est bien, mais du coup j'en ai déjà perdu un peu, mais c'est pas grave. J'ai des petits freeze, c'est normal. Non, non, il n'y a pas de freeze. Enfin, est-ce que les modos peuvent me confirmer qu'il n'y a pas de freeze? Parce que moi, j'ai zéro problème. Donc, il ne devrait pas y avoir de freeze. Voilà, comme ça, il faut faire. Et voilà, là, j'ai merdé. Là c'est ma faute. Aucun freeze ni lag. Ok, très bien. Très bien, très bien. Donc, c'est bon, j'ai compris la technique. Faut juste se mettre un petit peu plus loin de lui et comme ça, ça passe easy. Oh, sérieux? De là? Là, alors là, pour le coup, ça, c'est un peu mal foutu. C'est pas grave. Allons-y. Pas de freeze. C'est bon. Parfait, du coup. Mais c'est cool, du coup. Comme ça, bah, effectivement, ce sera en deux parties, hein, je pense. Hein, parce que... ça ne passera... Enfin, à mon avis, on va arriver à la cathédrale. Ce sera l'heure de la pause. C'est déjà quasiment l'heure de la pause, en fait. Pas grave. Hop. Non, mais, les gars... Faut pas reprendre mot pour mot ce que je dis. Tu peux mourir, c'est pas parce que je viens de vous dire justement que le jeu est facile et que je meurs que le jeu est difficile. Là c'est juste moi qui ai merdé, je savais pas comment marchait le boss. De manière globale, il y a aucun niveau qui pour le moment est tant d'axe quoi. Et je sais qu'il y en a qui arrivent après, mais même je trouve que c'est pas assez. C'est comme toi. Après, je sais qu'il y a certains youtubeurs qui ont même rage quit et tout sur le jeu parce que certains niveaux sont durs. J'ai vu quelqu'un qui me l'a redit tout à l'heure. Mais même je trouve que voilà, par rapport à...
pour m'être fait spoil pas mal de trucs sur le jeu, je le trouve pas. Je le trouve pas. Je sais pas. Là, c'est vraiment moi qui fais de la merde, c'est sûr. Je sais pas, je le trouve de manière. Déjà, je trouve ça assez triste que le jeu, il faille attendre la fin du jeu pour qu'il devienne difficile. Genre, ça pour moi, c'est pas normal. Enfin, dans les autres Mario, j'ai souvenir de trucs où. Avant la fin de l'histoire principale, c'était déjà Tandax quoi. Là, y'a pas. Mais bon. Putain, je rebondis dessus. Pourquoi tu ne récupères pas les pièces violettes? Je les récupère, mais c'est juste que là, elles étaient. Bah, ceci dit, je pourrais en fait, c'est vrai, parce que. En fait, c'est juste que j'ai pas envie d'aller dans ce truc et de revenir là, mais vu que je meurs et que je reviens là dans tous les cas, en fait voilà. Est-ce que tu referas du Overwatch? Bah, le truc du Overwatch, c'est que j'ai pas mal lâché et j'ai un peu la flemme de m'y remettre. En fait. Voilà. Merci Viking, en tout cas, merci à toi. Mais c'est vrai que j'ai un peu la flemme de m'y remettre à Overwatch. J'y ai joué pas mal, mais. Mais depuis, c'est vrai que. J'ai un petit peu la flemme. Hop! Je peux avec le gros. Ouais. Allez go! Faut juste que j'ai le bon timing. Tout à l'heure en fait j'ai un temps de retard. Allez on passe hop. Concentration. Hop. Voilà comme ça. J'ai raté mais c'est pas grave. Ah, par contre il va pas assez loin Capi. Voilà. Là je suis dans le bon tempo. Voilà. Et puis tout à l'heure en fait j'avais un temps de retard, c'est le temps que je me retourne et il repartait. Vas-y. Hop là. Très bon. On est parti. Mais c'est vrai, je vous l'accorde que de manière globale sur ce live on en aura un peu chié. C'est clairement. Mais ça c'est. Vous verrez la vidéo qui sort demain aussi sur la chaîne, mais j'ai joué à un jeu, ça faisait un petit moment que j'ai. Enfin de manière globale en fait, ça faisait 3 semaines j'avais plus touché une manette. Et c'est con mais encore une fois, c'est comme pour Minecraft, tu sais, c'est les réflexes en fait que tu perds. C'est pas les connaissances du jeu, c'est vraiment. Je comprends pourquoi genre les mecs d'e-sport et tout, tu sais, ils jouent plusieurs heures par jour, c'est pas qu'ils deviennent meilleurs au bout d'un moment. Enfin si aussi mais c'est surtout pour garder les réflexes quoi, c'est pour s'entraîner, c'est comme les joueurs de foot, c'est comme enfin, tu sais, ils s'entraînent tous les jours, c'est pas pour rien quoi. C'est clairement ça et quand t'as pas joué depuis un moment, tu perds des réflexes, c'est ouf. Alors. Allez, tu fais des erreurs bêtes quoi. Ça se sent. Hop, alors là il y a plus de chapeaux encore. Hop. Sur la grosse dame. Hop. Voilà. C'est bon, c'est bon. C'est bon, on le tient. Là, on a le bon. On a le bon tempo. Allez. On te tient. Oh, j'y joue, ouais, mais j'y joue dans mon coin. C'est vrai que je vous avais fait un petit live, mais c'était avant vraiment que je reprenne les lives. Eh bon. Ouais, on aura fait des erreurs bêtes sur elle. Mais ouais, enfin. J'y joue surtout de mon côté, en fait, à WoW. Ok, bon. Est-ce que là on a fini, on devrait être devant la cathédrale, je pense. Je pense. On va voir. Et. Oui! On est devant la cathédrale. Bon, il y a un checkpoint. Merci, mon dieu. Hop là. Ok. Bon bah les amis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une mini pause et puis on se retrouve ensuite pour dans 5 minutes, hein, dans 5 minutes, vous bougez pas. Et on se retrouve pour a priori la fin du jeu, cette fois je pense. On va voir ça. Et voilà, je fais une petite pause, merci à ceux de la rediff qui auront regardé, on se retrouve très bientôt pour la suite. Et pour ceux qui sont en live, bougez pas, on revient pour, je pense, la fin. De toute façon, comme je vous ai dit, ce sera pas un live très très long parce que ma gorge, tout ça, sera. Mais voilà, 2 petites heures, je pense, c'est pas mal. Bougez pas, à tout de suite.